Bonjour à toutes et à tous. J'ai reçu ce matin mes nouveaux jouets. Je vais les déballer devant vous. On va commencer déjà par cette cisaille. Je vais la déballer, voir un petit peu comment elle est et comment je vais l'installer, si ça va être la même chose que la plieuse. Rien de bien compliqué, donc on a cette pièce d'accouplement qui vient ici pour la poignée. Et ensuite on a cette pièce là qui vient ici pour raccorder la poignée. Je vais vite faire le montage, voir ce que ça donne. Facile. Ensuite on a cette pièce qui nous permet de retenir la tôle lorsque l'on coupe. Je vais te faire un petit essai. J'ai un petit bout de tôle ici en aluminium. Voilà. Donc, normalement on met ça ici comme ça. Voilà. C'est ça pour le bol. Alors bon, évidemment terrible, comme elle n'est pas fixée. Alors bien sûr, voilà. Ok, alors la coupe est propre, hein. Comme vous pouvez voir, donc c'est vraiment une coupe qui est très très propre, hein. Donc ça c'est nickel. Je vais prendre une tôle un peu plus fine. Voilà. Ce pliage ici. Ça c'est de la tôle de 0,5. Alors, effectivement ça coupe, c'est parfait. Et une fois de plus là c'est vraiment chose de propre. Une coupe impeccable. Bien, alors suite des choses, ben, fabriquer un support pour la mettre dessus. Vu la longueur du manche, je vais pas pouvoir la mettre sur mon établi. Donc je vais réfléchir. Je pense que je vais l'installer sur la table qui est à côté ici. Je vais réfléchir un petit peu où je vais l'installer et je vais passer à l'installation. Après réflexion, j'ai décidé de l'installer ici à l'extérieur. J'ai plus de place, donc si j'ai des longues barres à couper, ça sera quand même plus facile de l'avoir ici à l'extérieur. L'établi est beaucoup plus bas ici, donc ça devrait normalement pas poser problème. Je vais la fixer ici sur l'étau. Donc je vais utiliser ces deux barres de fer que je vais souder ensemble, la souder sur cette barre là et la fixer ici sur l'établi.
J'arrive au terme de l'installation de cette cisaille. Donc maintenant elle est solidement fixée à l'établi. C'est démontable hein, comme la plieuse. Et maintenant juste un petit essai. Donc là c'est une tôle extrêmement fine, hein. On est de l'ordre de 0,5 sauf erreur. Donc là pas de surprise, hein, ça va vraiment bien. C'est vraiment des coupes propres. Voilà, vraiment ça va me faciliter la vie, c'est vraiment quelque chose de bien. Ici j'ai de l'aluminium un tout petit peu plus épais, ça fait 2 mm. J'avais déjà fait des tests avant. Donc, même pour couper ce genre de plaques, c'est nickel. Et là j'ai du un peu plus gros, c'est du 1,5. Comme ça. C'est du 1,5 galvanisé. Voilà. Donc, là j'ai même pu couper sur le repli, donc il y avait deux fois l'épaisseur, ça n'a pas posé de problème. Alors l'établi il bouge un peu. Je pourrais mettre un peu de poids à la limite à l'arrière si je fais vraiment quelque chose d'épais, mais en général je vais pas travailler sur du très épais, étant donné que je suis limité avec la plieuse en général à 1 mm d'épaisseur. Donc ça sera plutôt des tôles de l'ordre des 0,5, 0,7, 0,8 mm, quelque chose comme ça. Donc c'est rare que je fasse du plus gros, à part un peu d'aluminium. Voilà. C'est vraiment une coupe vraiment, vraiment, c'est net, c'est propre. Voilà, donc cette installation est terminée, je vais passer à la suite. Prochain projet, je ne vous en dis pas plus, vous le découvrirez en vidéo. À tout bientôt !